Hola! Hola à tous et bienvenue sur Anime Gaming FR comme d'habitude et sur Kenan Lynch pour changer. Donc comme d'hab, vous connaissez la chanson, dernier chapitre, on en était, retour. Ah oui! C'est vrai, c'est vrai. On venait de tuer sa fille, on devait demander son aide. N'importe quoi. J'ai eu chaud. En tout cas, j'ai hâte de retrouver les sept. On va d'abord aller voir Etomoto. Redis-moi ça, après ce que tu as fait. Maniez-vous. Oh! Attention. Bon, ça devait être dans l'ancienne vidéo au pire. Autoroute merdique. Mais j'ai Allez, voulu on va augmenter le partir. son et Au ça moins, fait tu comme si comptes j'avais jusqu'ici touché. avec, pas vrai? Maintenant, bouclez-la. On doit encore traverser le toit. On va encore les endormir. Tout va bien, sensibilité. Oh, quoi merde, quoi merde? On tire tout de suite? Moi je veux bien. Quelque chose me dit qu'il faut tirer. Vas-y, on va voir. J'ai lancé un assaut! T'actives pas l'hélice, hein. Oh, qui tire, qui tire, qui tire? Arrêtez de tirer sur les cadavres, ça me stresse! Du coup, on fait quoi maintenant? On essuie sécuriser le toit. Comment ça, c'est pas. Et donc, te sors, toi? Bah, c'est sécurisé, s'approcher, voilà. Écoutez, je descends le premier en rappel. Je place la bombe sur la fenêtre. Quand ça saute, on arrose tout à l'intérieur avec ce qu'on a. Compris. Ça, c'est des balls. Bah, s'il faut faire ça, ça va, j'ai rechargé. Bon, vous commencez à me connaître, hein. Pour moi, ce genre de choses, Oh c'est ouais, quel impossible. vertige! J'arrive pas à croire qu'on va faire ça. C'est. Lynch, la mallette est là. Eritomoto sera mort avant de nous avoir retenus. Ah, si tu le dis. Ah, ok. Ils ont changé graphiquement, donc ça doit T'arrêtes pas de être. nous affoler! J'aime Dans pas 7, traîner dans le coin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'avoue, il y a une explosion. J'étais censé rester devant. La mallette est à moi! C'était une salve de. C'est un pote. Une salve de merde. Destruction. Ça, c'était fait exprès, hein, les balles ratées. Ouais, je dois avouer, regardez. La déco, c'est bien fait. Oh, toi, je t'avais pas vu. What? Mais il y en a parfois, j'ai l'impression qu'ils apparaissent ou ils sont cachés, mais au pixel près. Donne-moi la mallette. D'où il y a encore des survivants? D'où? Tu tires encore sur un cadavre. Sécuriser la pièce pendant que je récupère la mallette. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Bon, après, j'ai envie de dire peut-être que c'est la sécurité aussi, Je fais hein. ça depuis longtemps. Et je règle toujours. Allez, bouge! Soji parle toujours de rester concentré et garde le rythme. Mais donc ça, c'est Tomoko? Il faut savoir prendre son temps. Ça tire à quoi de faire ça? Ouais, On mais... descend vers les ascenseurs et on se tire d'ici. Putain, il a vraiment des problèmes psychologiques. Du coup, faut aller par où? Faut descendre dans la cour. De... Putain, lui, je sais pas qui c'était, mais il avait l'air vénère. Il y en a d'autres là-bas, il y en a d'autres là-bas. Et la police, elle s'inquiète pas qu'un type et toute une mafia avec lui. Ils se baladent dans la rue, il y a 30 gars qui le suivent, ils sont tous armés. Il y en a un autre ou. Ouh! Ah, vous voyez, il y en a, ils sont cachés, mais sérieux! Soit c'est des grosses colonnes, soit c'est moi qui suis gros, moi je peux pas me cacher derrière ça. Ah! Salaud! Du coup, il est où le gros? Pas que j'ai envie d'agresser son corps, mais il avait une bonne arme, il avait pas une M16. D'ailleurs, il n'y a plus aucune arme au sol. Ah, ah.
Il avait ça. Bonjour. Belles antiquités. Ça va, y a à peine pas des gens sur leur voie. Ouh. Oh, 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 excusez-moi, mademoiselle. Elle a failli mourir. Oh. Et quelle idée, y'a quelqu'un qui te tire dessus, tu t'accroupis et tu cours vers lui. Quelle idée. On était sûr. Hop, 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 hop. Ah, c'est pas très précis, quand même. Mais bon, c'est puissant, ça fait des grosses balles. Oh, excusez-moi, madame. Ah, mais te mets pas là. Déjà que j'ai mis une balle dans le cul, mais elle recourt vers moi, mais... Elle veut mourir. Bon, allez, je vais le chercher, parce que sinon, c'est une histoire qui va jamais terminer. Ouh. C'est pas précis, il y a un sacré recul. Bon, j'avoue, c'était plus pour la blague. On va retrouver une autre arme. Enfin, quoique, je suis pas obligé de la vider, hein. Je peux y aller au gun aussi. Hein. Poum, 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 poum. Je peux m'adapter. D'ailleurs, vous êtes tous les copains. Là, ils vont encore abattre des cadavres. Non, non, rejoignez-moi simplement. C'est quoi déjà, c'est le 1 sûr. Ouais, pas de problème. Pas de problème. J'ai un problème avec ces femmes, hein. J'ai... Oh, mais... Je vais passer pour un miso. Attends, je fais tout pour vous aider. Je suis de votre camp et tout, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde est prêt? Que deux étages avant d'arriver aux ascenseurs. Ah, du coup, il réapparaissait, en fait, en dessus, là. Y a personne qui était monté. Ah ouais, c'est ce que je vois. Je suis étonné aussi. C'est qui tire comme un fou. Il y a des gens qui tirent comme des fous. Je sais pas s'il y a un petit truc en mode si tu restes fixe une seconde ou quoi que ce soit, t'es plus précis. Ouah, toi. Je peux pas me coller derrière ça, Il est où? Chez. Après, qu'est-ce que vous avez aussi à avoir les mêmes coupes que les hommes? Oh, oh bah voilà, ce qui devait arriver arriva, excusez-moi, bah voilà, bah... Après avoir tué nos femmes, j'ai tué une femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute si la mort m'entoure et que les femmes me suivent. Bientôt, ils vont s'en servir comme couverture, les mecs. Ne faites pas ça, elle porte la poisse. Ouais, toi. Là, je me suis pris une rafale de mitraillette en milliers, là, c'est... C'est par où que je veux aller. C'est par là, non? Oh! Là, j'ai pas une grenade. Si, apparemment, si. À mort! D'où tu survis à ça? Putain, mes collègues, ils me font plus peur qu'autre chose. Ah ouais, là, on est vraiment en mode... Je regarde même pas! What? Toi, je t'avais pas vu! Putain, comme d'hab, on récupère les balles du gros. Hein? Allez, non, il y en avait une autre. Voilà, 200. Du coup, ascenseur, digne? Non? Ah, ok. C'est un ascenseur spécifique. Excusez-moi. J'avoue, là, au corps à corps, aucune chance, les gars. Du coup, je me demande... Tu te mets pas à déconner. Allez, enfilez-moi ces costards. D'où tu donnes des ordres, pauvre taré. Laisse tomber, Shelly, c'est pas le moment. Ouais, habillez-vous.
C'est vrai que j'avais fait sortir des gens d'une prison. C'est pas faux, c'est pas faux. On se calme, les gars. Non. J'ai réussi à... Ok, elle est dans mon dos. Ok, normal. On va voir, hein, moi, Ça si va. personne repère. On rejoigne la bagnole. On y est presque. Je sens que je vais sortir. Il va... Wow. Pourquoi il me regarde comme ça? Ouais, non, ça sert à rien. Il me regarde trop chelou. Non! Ils m'ont chanté. Je me suis fait chier à ramasser des balles! C'est pas grave, on va sortir, mon gars. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. On va dire, t'es entre deux feux, t'as pas eu le temps de run, mais là, mademoiselle. J'avoue. Ah bah, tu vois, c'est même pas nous qui t'avons tué. Mission, essayer de ne pas tuer les civils. Oh! Ah, essayer, mais. What? Bonjour! Je ne fais que visiter la ville. D'ailleurs, pourquoi ils sont tous asiatiques? On était en Asie à la base. Non, on était juste dans une boîte. Enfin, après, peut-être mon argent. On allait chercher le gars en Asie? Je sais pas. C'est par où? C'est par là! Pas de sniper. Dommage! Ah, il suffisait de demander. Oh, rien à foutre! Je vais chercher mon arme. Oui, c'est moi encore, il y a un sniper. Où ça? Où ça? Ok. Oh, on n'est pas dans le même camp, monsieur! Ah, ça a pas l'air de vouloir marcher comme ça. Comme ça a l'air de vouloir. Technique du relevage. Merci, c'est gentil. Non mais donne les munitions, donne! J'avoue, c'est à la tenue là, je sais pas si. Ah merde! Ah, je suis à vie, David! Cure! Allez, il me dit que j'ai une reste de balles. Qu'est-ce qui branle mon sniper? Il est enrayé, il est cassé. Bon, j'en sais rien, allez, on avance, on avance. Bon, bah. On va essayer de t'abandonner, sniper, y'a rien. Putain, mais c'est. C'est le moment où il y a des mecs chelous et que j'ai plus d'armes, c'est ça? Oh là là, et ça marche pas, tu vas me dire. Oh là là là. Allez, il y en a pas un qui veut me donner des balles. Faut que je trouve un cadavre. Hein. Bon, il me faut des balles, vas-y, redresse-toi. Wow! Oh, pire, c'est voilà, c'est ce qu'il me faut. Vas-y, donne. Tu vas me dire que c'est maintenant que tu recharges. Enculé de ta mère. Excusez-moi, quelle vulgarité. Oh! T'es bien proche, mon gars. J'aurais aimé te faire au sniper. Wow! Alors, maintenant que j'ai des balles, que ça marche encore. Hein? C'est quoi là?
J'ai pris feu ou... Vasizas, Vasizas l'ours. Allez, bouge. Oui, en fait, je prenais feu. C'est exactement ça. Ouais, c'est par là, les gars. Tous avec moi, les gars. Ça, c'est les méchants ou pas? Pourquoi vous m'avez l'air suspect? Merde! Il en arrive encore! Où ça? C'est bien par là que je vois. Ils viennent d'où ça? Il y en a qui arrivent. Je sens que je vais baisser les yeux. Ah, c'est... Oh, non, ça va. What? Bande de salopards! Vous allez moi la ramener! Lynch, tu calmes! Y'a aucune menace! J'avoue! Il me fait peur, le garçon! Respire à fond! Tu verras, ça va bien se passer! Me parle jamais sur ce ton! Wow, wow, wow! Qui tire, qui tire, qui tire? Je suis dans le gaz! Wow, wow, wow! Alors toi, tu vas payer, toi! Et on va essayer de d'en lancer en même temps. Dégage la crimon, merde! J'y vois plus rien! Oh, les petits pains là! Vous êtes jamais allé dans une manif française? Qui c'est qui me tire dessus? Qui c'est qui me tire dessus? Oh. J'ai pas apprécié. Hein. Et où en plus on esquive? Oh! Mais enfin! Ça, j'ai réussi à faire exploser un bus quand même. Je m'y attendais pas à celle-là. Il y en a un autre qui tire d'ailleurs. Je viens d'ici et d'ailleurs. Oh! Oh! Du coup, on va par où maintenant? Il y a des moments où il veut pas recharger. Hein. Et là, il veut pas montrer ma map. Oups. Pas la meilleure des stratégies, hein, le bouclier de sortir sa tête face à un snipe. Surtout plus ou moins à proximité. Qui c'est qui tire? Oh, il va exploser, je vais rien comprendre. Bordel, mais t'es où? Allez, brûle-toi. Qui c'est qui est blessé? Laisse-moi ici. Ah, une fois de plus, plus de recharge, plus rien. J'arrive, copain! Je suis à sec! Il m'en faut d'autres! C'est pas mon problème! Bon, faut aller où, hein, au bout d'un moment? Moi, je veux bien tuer tout le monde, hein, je veux bien faire du nettoyage, mais. Putain, mec, c'est bien vrai! Ce n'est pas ma fonction! Toujours pas, toujours pas. Je sais pas, il y a de temps en temps, il veut pas. Qu'est-ce que tu fais encore? What? Oh, j'ai été mauvais là. Et d'où vous venez, messieurs, dames? Vous travaillez pour Valérie Pécresse, cette idiote? Ah non, mais elle m'a encore fait rire tout à l'heure, celle-là. Chut! Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai la flemme. Entièrement, hein, c'est... Comme d'hab, elle a dit de la merde, c'était rigolo. Bon, les gars, où est-ce qu'on doit aller au bout d'un moment? On doit sortir? Ça, toujours pas? Je peux prendre le bouclier? Ah bah. Y'a l'argent? Y'a la cam? Ils sont à la Havane. Eh, hey, là-bas, y'a pas une guerre civile? C'est leur spécialité de renverser les gouvernements, Lynch. C'est leur boulot. La Havane, c'est leur dernier coup. Pourquoi le dernier? Tu crois qu'ils veulent arrêter? Tout le monde doit s'arrêter un jour. On est trop vieux pour ce business. Pas moi? D'accord, pas toi, mais les sept, si. Et ils vont avoir besoin d'un endroit où se planquer. Hein? Ma femme a toujours rêvé d'aller à la Havane. Elle disait que c'était joli. Crois-moi, ça ne l'est pas.
Mais du coup, y a un background, il y a une histoire de ce qu'ils faisaient avant, là, tous les deux? Ah, merde! 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 J'ai les oreilles qui saignent! J'en peux plus de ce machin! Parce que non, ils se connaissaient pas avant, en plus. On y va! Allez! Qu'est-ce qu'on fout en zone de guerre? Qu'est-ce que tu veux, nous faire tous buter? J'en ai rien à foutre! Attends, déjà, on est à combien? 20 minutes, on continue, voilà. Tu comprends qu'on bute les... Donc ça, c'est des ennemis. C'est raciste ou... Parce que là, moi, je connais pas les uniformes. Hein. C'est vraiment... Je tire sur des blacks. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je présume qu'à la vanne, c'est plus ou moins normal. Hein, mais... Il pourrait au moins me faire une description de gars. Je suis... Oui. Pour tuer les 7, je vais tuer 100 mecs. C'est pour ça que les développeurs aussi qui... Qu'est-ce qui vous a amené? Ça, c'est des copains, du coup, non? Pourquoi j'ai plus confiance en eux qu'en eux? C'est le bonnet rouge? Vas-y, on va laisser une chance au vert. C'est bien, au moins, ça prouve que je suis pas si raciste que ça. Ça casse ou... Allez, ouais, non, pas de destruction. Bon, allez, faut avancer. Ah, l'assaut! On peut pas descendre là. Ce bandit! Il y avait même pas un sniper, là, non? On y est presque. Les renforts nous attendent juste derrière l'église. Kane, on a besoin de faire une pause. Pas question. Je vous promets, on va buter les 7. Vous aurez votre récompense aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, ça c'est cool. Bah, c'est court, mais c'est cool. T'as pas, il a raison. On est mort si on reste là. Et les mecs, ils sont quand même arrivés en pleine zone de guerre, quoi. Ils sont... Ils les ont suivis, normal. J'ai vu ta... Oh! C'est-à-dire, j'ai pas vu le mortier, mais je l'ai vu, la sale tête. C'est quoi vos armes? Tiens, je vous prends, ça a l'air sympa. Chercher. Ils sont bien équipés, mieux que moi en tout cas. Et je parle aussi de leurs saucisses, probablement. Discrimination positive. Allez, les renforts nous attendent de l'autre côté de l'église. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la discrimination aujourd'hui de dire que les blacks, généralement, ils ont des grosses bites? Parce que en un sens, généralement, c'est plutôt un compliment, non? Limite, il y a plus une discrimination envers les Asiatiques, non? C'est pas bien, mais je me pose des questions, parfois je suis chelou. Utilisez l'arme, personne n'arrive. Sachant que ça va arriver derrière moi, je fais le con, mais... Tiens! Allez, j'allais dire, tout ça, ça explose. Tu mets pas un gros bidon tout rouge si ça fait rien. Et si t'es... Un jour, tu te retrouves à la guerre, si t'es un peu intelligent, tu te colles pas un bidon gros tout rouge. Sauf si vraiment, il y a aucune autre couverture et que tu pries que le bidon soit... J'allais dire même pas vide, parce que sinon, ça traverserait. T'imagines que c'est un récupérateur d'eau? C'est con, mais ce serait un récupérateur d'eau, le truc, en plus, ça pourrait vraiment arrêter la balle. Parce que selon le calibre, l'eau, ça... Wow, j'ai pris une rafale. Une rafale, sa mère! Pourquoi j'ai plus de cartes? Moi, j'aimais bien l'époque où j'avais des cartes. Bonjour. Je peux pas aller là-bas. Bon. Mais enfin. Clean it now. Non, franchement, j'aime bien la M4. Enfin, M4, M16, ça dépend toujours des gens. Je sais pas la réelle différence, en fait, entre les deux. Oh là là, il y a du bazooka, par contre. Ça va servir. Même si je dois juste m'en servir une fois et faire du gâchis,
Qui c'est qui est pas content? Où ça, où ça? Ils sont plombés. Faut qu'on les sorte de là. En plus, j'en ai plusieurs. Bah, nique, mon gars. Tu crois quoi? Et voilà, il y en a d'autres encore. D'ailleurs, c'est quoi l'autre arme? T'as 8, carrément. Apparemment, j'en ai pas besoin d'autant. Ah, c'est chiant. Ouais, c'est le bazooka ou le feu. Enfin, c'est dommage que je puisse pas échanger le flingue. Mais bon, 8 roquettes, moi, je prends. J'ai l'impression de me retrouver sur Resident Evil 4. Avec mon bazooka comme ça sur le dos. J'arrive au boss, mon gars. What? Vous étiez où, putain? Pourquoi je vous préfère les casquettes vertes? Combien vous êtes? On est prêt. Allez en route. Ah oui, oui, oui. Putain, je sens qu'ils vont se faire mitrailler, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous avec moi, c'est ça? Du coup, faut que je leur dise à tous d'attaquer. Non, restez avec moi, allez, restez. Oh! Oh, je fais de la merde. Bon. On va arrêter de faire de la merde, déjà. Ah, faut que j'aille les chercher, allez, hop. Hop! Je pense... Bon, bah, si, je l'ai eu, en fait, non. J'ai utilisé une grosse roquette des familles, mais finalement, j'ai utilisé le one-shot. Oh, il y a du AK et tout! Putain, je l'ai jamais eu, le AK, mais je veux la roquette. Restez pas à découvert, merde! Parce que je suis un taré. Oh, d'où tu sors, toi? Putain, je suis touché. Qui est touché? Qui est là, en plus, qui tient? Putain, y'a masse roquette en fait. Oh, ce... Wow! Y'a un avion qui a débarqué, là. C'est qui m'a foulé comme un bâtard, là? Casse-toi, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, alors, du coup? Ah, ok. What? Pas vers moi, non, ok, j'allais dire. Je l'ai détruit. Je vois bien, les gars, mais... Putain, quoi, j'avais pas qu'une roquette. Ils me considèrent que j'avais qu'une roquette. Putain, je suis dans le caca. Toi d'abord, toi. Je vais essayer. Allez. Oh là là, ce que je pense. Ouais, je vais me casser. Oute. Putain, t'es retombé, bâtard. Ah putain, je suis touché. Ah, recommencer ça. J'avoue, je suis déçu. Non, mais je suis pas censé avoir 8 roquettes, nique sa maman. Déjà, bah, on va voir ça tout de suite. Bonjour, messieurs. Voilà, eux, ils vont se mettre là-bas. Hop, ça c'est réglé, normalement. Toc. Ah non, c'est pas les roquettes, c'est les grenades, j'avais qu'une roquette. Bon bah maintenant au moins on le sait si on peut choper la calache. Asso. Putain, mais par qui vous faites tirer les gars? Ah, vous êtes des galériens. Bah la calache. Oh là là les gars, mais sérieux? J'ai presque envie de recommencer la scène, tellement vous êtes tous mauvais. Allez, ne crève pas. Vous allez tous bien, les quatre vont bien. Toi, là-bas. Ah, pas très précis. Hein. Bon, ça c'est fait. On va chercher les autres roquettes. On détruit le véhicule tout de suite. Soit on se barre, alors couvrez-moi. Il est où ce putain de véhicule? Il est censé être là. Ah,
ça c'est fait. Ça en vaut pas la peine. C'est quoi qui tire par là? Oh! Qui c'est? Putain, mais je me fais canard de tous les côtés. Mais what? Ça doit être l'autre bâtard qui était sur le toit là-bas. C'est de souvenir, il y avait un connard qui était là. Ça doit être lui. Mais ouais, il y a un putain d'hélico. Prenez-les en photo. Capturez-les, Pokémon. Ça va être encore moins précis, ça. Il y a un hélico qui va me débarquer dessus, qui va me fouler. Il me fait trop peur, ce bâtard. Il n'y a plus de lance-roquette. Si, ça, c'est un lance-roquette. Je peux pas le viser, l'hélico. Je peux pas le viser. Quelque chose me dit que... Ah! C'est-à-dire qu'il faut que je le bute avant de bouger. Oh là là, et maintenant il est là. Putain, allez, prends ça s'il arrive de face. Ça en vaut pas la peine, t'en fais pas. Il y en a assez pour tout le monde. Faut juste qu'on arrive à rentrer dans la... Ouvre mes arrières! Allez, on se casse, on se casse. Oh! Couvert! Non mais sérieux, bah là ils vont pas réussir à me relever si. Non mais je voulais aller mettre derrière le truc en brique, mais là derrière le coin, totalement à découvert là. Voilà, c'est... si ils viennent. Non ils viennent pas, si ils viennent. Non ils viennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah merci du conseil. Allez cours, 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 cours et mets-toi là derrière, voilà. En plus, il y a une M4. Prends la M4, elle est plus précise. Haute. Oh, qu'est-ce que tu fais? L'hélico de merde, l'hélico de merde, l'hélico. Oh, je pensais pas que ça passerait, ça. Lui est bien mort, hein. On est d'accord. Le gars qui achève les cadavres. Des belettes. C'est pas rien. Il y a une roquette là. Oh, il faut le lance-roquette. Faut que j'arrive à saigner cette saloperie. Elle est de quel côté? C'est ça le truc, elle est de quel côté? Elle est de quel côté? Parce que j'aimerais bien le buter et me récupérer une M16. Là, là. Ah, trop mauvais, trop mauvais. Bon, bah tant pis. Celle-là, normalement, elle est full. Voilà, on se casse. Toujours pas de map, ça c'est malheureux, mais des nouveaux lance-roquettes, ça c'est pas mal. Oh! Je me disais bien, les balles elles venaient de par là, putain. Où ça, où ça, où? Un autre, non? Ça va, copain? On est reparti. Ouh! La petite enfilade. Toi, je t'ai vu. Where is Waldo? Viens, on se casse, on se casse, on se casse. Je sais pas ce qui se passe. Ouh! Bonjour, je vous marche dessus, monsieur.
Ou on voulait pas. On va devoir escalader la barricade. Hors de question que je monte là-dessus. Je suis pas payé pour me suicider, ok? Quelle barricade. Ouais. Griffith a raison. J'en ai marre de t'écouter, Kane. Tu vas trop loin, merde. Fermez-la, tous les deux. Et ramenez vos fesses ici, tout de suite. Ok, écoutez-moi. Lynch et moi, on va monter sur le toit et voir ce qu'on peut faire. Ouais, bah je préfère ça. Occupe-toi un peu de faire le sale boulot. Changer. Les autres, rassemblez tous les renforts que vous pouvez et soyez prêts à attaquer à mon signal. Une situation tout à fait normale. Ils vont tous se faire buter, tu le sais, ça ? Rien à foutre. Ils peuvent bien mourir. Tout ce que je veux, c'est revoir ma fille. Tu sais quoi ? Espèce de fils de pute. Eh ben, je commence à croire que t'as laissé les sept crever au Venezuela. Continue à avancer, Lynch. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, passe devant. Toi qui sais tout mieux que tout le monde. Je passe devant, comme toujours. 36 minutes, allez, on se tente une mission. Parce que ça a l'air d'être la fin, en plus, depuis tard, ça parle de dernier jour. Non, mais arrêtez de m'enlever mes armes. Est-ce qu'il me repère? Est-ce que je peux envoyer une grenade? Attends. Bonjour. Oh, ça a l'air d'être raté. Arrête ça, tu fous la bouille. C'était ma faute. C'est vrai que c'est frustrant de se dire parfois t'es content, t'as ton arme et tout va bien, et non. Oh, ça vient d'en bas. J'ai vu la ligne droite des balles, en fait, de temps en temps tu les repères comme ça, hein, mais... J'ai vu la rafale, Ça a failli me faire une coupe de cheveux. Chez, à travers les carreaux. C'est pas chez moi, c'est pas moi qui vais payer les réparations. Allez, rends-moi ça. Ça, c'est pas fait pour vous, ça. It's American. C'est vrai que je suis en train de chercher une arme typiquement africaine, mais... J'en trouve pas. Bah après, tu me diras, ils ont pas été connus pour la fabrication d'armes non plus. Hein. C'est vrai qu'en France, non, en plus, même nous, on a le FAMAS, mais... Par exemple, je me dis, la Russie, ils ont pas des armes spécifiques, des armes russes. Il y a eu des armes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des tanks russes, des trucs comme ça. Mais après, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, tout n'est pas plus ou moins américanisé, peut-être. Bah, c'est comme il y a encore des grandes constructions, des conneries comme ça, hein, mais... Wow! Vous prenez comme ça? Non, je vais pas faire ça. Ouh, il y en a qui me pique là. Qu'est-ce qu'il tire? On dirait qu'il y a une arme automatique qui vient de je ne sais où. Qu'est-ce que c'est, Zélire? Ça a pas l'air si mal, Rifik. Apparemment, il y a que quelques blindés. Alors débarrasse-t'en. Nous, on est prêts. Beaucoup d'hommes nous ont rejoints. Ça se présente bien. Je présume que c'est d'abord le... Ça, c'est contre nous. Qu'est-ce qui tire, en fait? C'est ça? Chut. Tu vas voir, je vais trouver une autre roquette. Ça va bien se passer. On va s'arranger entre nous, mon gars. Gare. Chut, tu vas bientôt, dodo. Hop. Putain, résistant, le baltringue. Et... Alors là, je commence à m'inquiéter, hein. Parce que je m'en suis servi de tous, là, qu'il me reste plus un petit... Ouais, là, moi, je veux bien, mais j'ai l'impression qu'il a pris toutes les roquettes. Alors, si j'en trouve d'autres, hein, mais pour l'instant, c'est inquiétant. Bon, il y en a encore un, là. Ah, oui. Je me pose des questions aussi, parfois. Quelle idée. Bonjour. Toc. Ta-da-da-da-da. Eh ben, un sacré blindage, messieurs. Ce n'aura pas été suffisant, mais... On les a eus. Vous êtes prêts? Ouais. Sûr qu'on est prêts.
Y a pas un peu de sulfateuse avant de se barrer, non? On se barre comme ça, comme des malpropres. Rien qui se passe. Qui... Ouais, toi, oh, ça c'est pas normal. Lynch, vous allez pas le croire. T'as pas réussi à se dégoter un tank. Maintenant, virez-moi ce putain d'hélico. Ah, je crois que c'est ma mort cette fois. Ouais, deux fois au même endroit. Après, je sais pas, il y a eu des parlottes. Est-ce qu'ils considèrent ça comme un new chapitre? Pas sûr, pas sûr. Oh! Du coup, qu'est-ce qui m'a tiré? Hélico. Ouais, toi, mais non, mais fais pas des trucs comme ça. Bon, comment je suis censé analyser le truc? J'ai plus de lance-roquettes après celle-là. Je le trouve même pas. Là! Ah là, mon gars, alors! Vas-y, attends, la sulfateuse. Ah ouais, je crois que y a pas moyen. Viens tenter, Lynch, mais... Ah, de toute façon, j'avais plus rien. Enfin, je sais pas, vas-y, on va voir. Moi, j'avais l'impression d'être à poil. À poil! À poil! Du coup, ménage avant! Ménage à 3! Ouh! Ouh! Et le dernier là-haut, il y en a encore un normalement, non? Même pas. Bon. On fait bien tous les roquettes avant. Les plus loin d'abord, vas-y. Déjà, il y en a deux ici. Apparemment, il y a que quelques blindés. Alors débarrasse-t'en. Nous, on est prêts. Beaucoup d'autres nous ont rejoints. Ça se présente bien. La 3 là, ouais. Comme ça, on sait où est le matos. Rien derrière. Ah, normalement, 3, c'est bon. Ah, c'est ce qu'il fallait pas faire. Ah, c'est peut-être mort. 2. En tout cas, moi j'ai survécu, déjà c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus d'autres avant, c'est sûr. Faut que tu oublies ta parano. Ok, il y en a d'autres ici. Ok. Bon, j'ai tout dans un coin là-bas, ou sinon il y en a d'autres ici. Là, normalement j'en ai 3 ou 4, c'est parfait. Bonjour! Putain, on a réussi! Ah, d'ailleurs, on va aller chercher celui qui est loin déjà. Ouais. Sûr qu'on est prêt. Ça, c'est quoi? Alors, d'où qu'il apparaît? C'était quoi ce truc? Tiens la position, réplique! Calme-toi, Lynch, et essaie de viser. Je crois que j'ai touché. Kane, Lynch, vous allez pas le croire. T'as pas réussi à se dégoter un tank. Maintenant, virez-moi ce putain d'hélico. Tu prends ça et tu te planques. Un petit souvenir pédophile avant la mort. Ah, pédophile violent. Où est-ce qu'il est? Non! Je ne l'avais pas en main. Touché. À couvert. Toc. Ah oui, de temps en temps, il est vraiment en mode comme ça, il approche comme ça, ok. What? J'étais en train de me pencher! Non, vous êtes des mauvais, bon. Vous
êtes des mauvais des temps, les plus mauvais de tous les temps. J'ai pas envie, va chier, connard. Ouf, c'est pour spectacle, tiens, tu vois, j'ai fait exploser ton corps. Bon, allez, premier lance-roquette, maintenant on sait où ils sont tous, donc... Du plus loin au plus proche. Bonjour. T'as pas l'air si mal, Rifik. Apparemment, il y a que quelques blindés. Alors débarrasse-t'en. Nous, on est prêts. Beaucoup d'hommes nous ont rejoints. Ça se présente bien. C'est la fête, c'est la fête. Servi garanti, impec. Est-ce qu'on peut se faire copyright, enfin, en mode démonétisé, enfin, après, je suis pas monétisé, mais démonétisé en mode en marmonnant. Ça tombe, c'est possible. Oui. I'm a baby girl in the nasty world. I'm plastic. I'm fantastic. Ouais. Sûr qu'on est prêt. Oh, ça c'était gratuit. Ou c'était des copains? Ça tombe, c'était des copains, j'aurais pas dû. C'était quoi ce truc? Tiens la position, Riffy. Oh, j'y ai cru. Ça aurait été tellement beau. Allez, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui... Je suis bloqué. Allez, crève toi! Non, mais sérieux! Je sens que je vais recommencer. Parce que je suis déjà à terre et que je l'ai pas touché. Eh là, t'es touché dans ta face! Vas-y, là, y en a, vas-y, on cherche pas plus loin. Vas-y, par où tu reviens, bagarre! Tu veux la bagarre? Le gars il a des hélices alors il fait le malin? Bagarre? Il m'en faut un autre, vas-y, de toute façon il va camper là, non il va se remettre là, c'est ça. Bagarre? T'es sûr? Vas-y, je vais essayer de retrouver ma MK, t'as vu? Elle devrait être là. Non, ou jamais. Oui. Attends, on descend, rappel. Ça, tu veux pas faire un petit ménage avant? Je sais pas pourquoi il y a toutes ces mitraillettes. Mais c'est des copains en plus. Alors où ça pour descendre ici on peut, non? On peut pas. Bon, je présume qu'il y a un endroit où tu veux que je descende en rappel. Là. Bien. Je me disais bien qu'il allait avoir une entaille. Putain, j'avoue, le tank et tout, le gars, rien à foutre. Déployez-vous, on va passer par l'entrée latérale. Oh. Ils sont tous massacrés. Putain, j'avoue. Ah, il m'a eu. Après les M4 comme ça alignés. Oh, allez, vas-y. Toc, toc. Vas-y, on va essayer de faire un ménage. De toute façon, je m'en sers jamais, donc... What? Ok, ça, j'y m'y attendais pas. Ah, mais là, ils vont tomber en venant me chercher. Là, je suis... Je vais me relever, je vais mourir. Je comprends rien. Ah, non, c'était sûr. Bon, normalement, c'est après le rappel. De toute façon, je finis la vanne. Et si c'est une autre mission, ce sera... Soit ça se finit à la vanne, soit ça se finit ailleurs. Papa, Shelly, on y va. Kane, tu nous couvres. Hein, quoi? Non, je dois pas me refaire le boss. Non, bah non, les roquettes, ils sont plus là, je suis déjà là. Et j'ai plus mon arme. Allez, on y va. Vas-y, donne-moi celle-là. Ça en rappelle.
J'avoue, ils foncent comme des tarés. Est-ce que je passerai pas sur le côté pour être tranquille? Ça, c'est des copains? Ça, c'est des copains? Ils prennent tellement cher. Ah là 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 là. On va essayer de passer sur les côtés directs, vas-y. Oh, 3 sulfateuses, ça fait beaucoup, non? Juste pour un angle. Ah, ça va, les gars. Ah, moi aussi, je peux faire du ménage. Et... Putain, je vais toucher. Pas l'impression d'abuser. Vas-y, file les balles avant que je me case, vas-y. Il s'est pris une balle dans le pied, il a pas bougé, ça c'est respect. 2 balles dans le pied, mon gars, t'as plus de jambes. En tout cas, t'es un héros de la nation. C'est-à-dire que... Ouf, pas de quartier, t'as essayé de me buter. Toi, oui. What, qui tire? C'était sérieux? Non, c'est pas ça. Ok, je comprends mieux. Et B, sacrées installations dans vos bureaux. Chouette entrée. Oups, qu'est-ce qui se passe? Petit lag. Je suis touché. Oups, on dirait que moi aussi. Je sens qu'il va vite tomber, je sens qu'on va se faire baiser, c'était quoi? C'était pas rien! Ouh, plus personne, restez à terre, pour votre sécurité! Ça me rappelle la première mission. Sortez les mains en l'air! Ouais, donne tes balles, Raboul. Raboul. This is my new money! Ça va, la sécurité des bâtiments, des domaines historiques. Aucune notion de civisme, hein? Tu me diras. Entre ma vie et un bâtiment, je fais péter le bâtiment. Et vous, je veux que vous sécurisiez les autres entrées. Personne doit sortir vivant. On s'attendait pas à te revoir si tôt, vieux partenaire. L'ancien? Ouh. C'est l'enfoiré qui m'a cassé le nez. Ça campe qui? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui campe? On va aller le chercher ou quoi? Hop, 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 hop. Il a l'air d'avoir sacrément de vie en fait, donc je sais pas si je dois pas y aller. Oh, oh, oh. Il est pas tout seul en plus. Et les deux ont l'air showtime en vie. Ça les atteint? Ah, peut-être. Peut-être pas. Bon. On va essayer, hein, c'est tout. À un moment, on va fouler. Hein. Mais ça rebondit ou... Oh là là, ça c'était mauvais. On va essayer de se rapprocher, mais maintenant j'ai plus de grenades, je suis un con. Oup, oup. Hein, de quoi, par ici, il y a un autre chemin? Ah, il veut que j'aille où? Et d'ici, alors est-ce que ça passe? Ah! Oh! Ça va, il m'en reste. On va essayer comme ça par-dessus, hein, comme un enculé. Les... Chien! Quand on vous envoie une forte puissance de feu sur le dos, quelle est la solution? Plus de violence.
La solution à la violence limite, c'est la mort. La violence ultime. Voyez, frapper un cadavre parce qu'il vous a frappé est une bonne chose. Écoutez les conseils de Ken. Ah ? Je vois, ouais, celle-là, je m'y attendais pas trop. Bonjour. Wow ! Voyez pas que votre colonel, il s'est rendu ? Tu pourrais pas avoir la présence de sortir un slip blanc ? On va me dire que c'est raciste, ça aussi, hein, mais le drapeau blanc, c'est pas moi qui l'invite. Et je dois avouer, vu comment vous êtes habillé, s'il n'y a pas le slip ou des chaussettes. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez parler ? Merde. Ils sont où, Carlos et les frères ? Je les emmerde, les sept. Où est-ce foutu, Mago ? Ils devraient être là. Ils auraient dû tous être là. Je t'ai posé une question. Il n'y a rien ici. Carlos ? Les frères ont tout pris. Ils ont trouvé que c'était fini et se sont enfuis. Comment ça, y a rien ici? La ferme. Fais-le descendre ici, tout de suite. Carlos, je te le demanderai qu'une seule fois. Dis-moi où sont les frères. Dans ton cul. Disons qu'il a fui. Mais je peux te guider à eux. Ces putains d'enfoirés de traîtres. Ils n'ont même pas essayé de nous faire sortir. Fais-le. En combien de temps tu peux me guider à eux? Crois-je. C'est les conneries, tu vas pas lui faire confiance. Des merdes, comme si j'avais le choix. Kane, j'arrive plus à te faire confiance. Laisse tomber. Parce qu'à la base, vous aviez confiance les uns entre les autres. Non, mais moi, je vous dis, il l'a dit, il avait l'intention de vous laisser crever. Hein. Il a toujours été mon ami. Ouais, c'est ça. Tu connais les règles, Kane. Tu te souviens? Ou alors tu t'es déjà pris trop de coups sur la tête. Écoute, il sait où sont les frères, c'est tout ce qui compte. Ouais, tu parles. Je crois plutôt que tu perds la tête, mon vieux. Pareil que ta part. J'en ai rien à foutre de ta part. Il pense qu'au fric, on aurait mieux fait de se passer de lui. Eh ben, il me semble que ça va faire un épisode entier. Bon, je vous laisse quand même la petite cinématique au cas où je la passe par erreur la prochaine fois. Est-ce que maintenant, on va suivre les conseils de ce con-là ? Niveau conseilleur, tu me sembles pas être une référence. Prends tes médocs ! Et bien sur ce, comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé la vie, les familles, tout, que tout va bien pour vous. Des bisous, oh, on aura un silencieux. Et voilà, de la chance, de l'argent, de la santé, du travail, des économies, des histoires d'amour. Et pour moi, des pouces bleus, des abonnements, des partages, des clochettes. Voilà, je vous souhaite tout ce qui est gratuit, tout comme moi. Qui t'a dit de me relever? J'avais décidé de choisir la mort. Qui es-tu pour me prendre ainsi, mon libre arbitre? Dommage, à dire, est-ce que je peux me buter avec des fumigènes? Mais c'est trop tard. Des bisous, ciao.